Salut mon sergent, ouais, c'est Captain Flordelis, puisque nous sommes en nom de champion, même si on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sea of Thieves. Je parlerai pas beaucoup avec vous parce que je vais être avec tout le monde. Ce sera pas long avant que je vous laisse. Vous allez juste m'entendre parler avec d'autres personnes, probablement. Je vais faire du squelette parce que j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer. Je suis 50 ans, 49 artisans, musique et alliance des marchands, niveau 50. 5 d'Athéna. Alors, je suis presque légende. Là, je vais vous laisser. Puis, on se retrouve. Bon, je vous laisse. Quand je vous dis je vous laisse, c'est pas que je vous laisse de même. Là. Vous allez pouvoir voir la vidéo. C'est juste que. Je vais être avec d'autres personnes, puis je prendrai pas le temps de vous parler. Peut-être vers la fin, oui. Mais pas pour l'instant. Capitaine. Ah, je viens de voir un baril de poudre. Oh. Les cartes sont à valeur. Ouais, ils sont en or en plus. Je les approche dans l'eau. Si tu veux t'amuser à tirer le baril de poudre. Attends. Ouais. Oh, c'est trois capitaines sur quatre qui ont péri. Je vais l'éloigner de la plage. Ok. Il mange des bananes, c'est parfait. En plus de rouiller, il va mourir. Ouais. Au pire, au moins on a un crâne en or. À chapitre. À l'est. Tu te bats? Moi, je te range pas. Je suis plus en angle. Baril de poudre. Tu lances un camp? Faut que j'attende la réputation.
un. Presque. Mais je m'en vais le chercher à s'inspirer mon titre. C'est sûr. Il me reste encore. Peut-être un crâne en or, puis je suis bon. Il nous écoute. Je pense que j'aurais pas dû dire ce mot-là, écoutez. Pense pas, hein? Ouais. Le trou qui pourrait me mener dans le cadre. T'as des hosties d'escalier. Ah, moi je les pogne pas les escaliers, hein? Ah, c'est... Moi j'ai un chemin plus rapide. Yes! Niveau 50! Yeah! Oh. Pirate Legion. Je suis légendaire pirate. Ouais. Enfin. Pirate légendaire. Je m'en vais le chercher mon titre en s'inspire. On va foncer dans le quai. Bon, je suis avec vous. Pour vous dire, on s'en va à Saint-Spire, je sais que vous m'avez vu. Bon, là, comme que vous avez vu, j'ai monté niveau 50 mythique. C'est ce qui me restait. Niveau 50 or, mythique et alliance. Là, j'ai pas acheté ça. Il me considère encore niveau 45. Volontaire. On va aller voir la personne mythique avec un sloop à l'île. Pourquoi je m'en vais en s'inspire quand j'étais déjà en avant-poste qui est Daggertooth? Tout simplement parce que j'ai commencé le jeu en s'inspire. Puis on va foncer dans le quai parce que la première fois j'ai foncé dans le quai à cause d'une tempête. Ouah. Et pour cette raison, allons à s'inspirer. Eh oui. C'est simplement pour cette raison. On n'a pas vu de grosses images parce que j'en ai oublié un peu. Je mettais sur pause. Je vous reviens quand on va être proche. Enfin, lui, c'est un anglophone. 90% du fond sont anglophones de toute façon. Oh, on va aller au raid avant, quoi. On va au raid? Ouais. D'accord. Avant d'aller en s'inspire, ok. De toute façon, je t'ai compté. On ira la porter là. Ouais. On va aller porter là, puis je vais aller chercher. De toute façon, faut que j'aille chercher mon titre là. Puis on fonce dans le quai. C'est sûr que j'aurais pu aller à Garden Grove pour aller chercher mon titre parce que mon premier. Titre de mon premier coffre de légende que j'ai vendu, c'est à Galen Grove. Mais moi je vais y aller à la première place que j'ai apparu. Puis c'est aussi l'avant-poste dont j'ai apparu le plus souvent. C'est bizarre à dire, mais c'est quand même l'avant-poste que j'ai apparu le plus souvent. Est-ce que qui m'attendait? Très bon du bacon. Donc tu penses qu'à manger. Passion. Ouais.
qui a fusé. Hey mon nasty de sordi, toi. Ok, le fusée est mort. Par rapport à ce bord là. Hey, ça va bien trop. Good job. Ah fuck, m'a eu. En haut. Nous on attend la porte. Ah, y'en a qui t'en vient. Allez, fini. En haut. Ah, puis en bas aussi. Je suis mort. Oh, est-ce qu'il n'y aura pas plus tard avant de me tuer les autres? Ouais. Pour moi c'est le capitaine. C'est le fun. Ah. Ah. Je suis mort. Mort pour la victoire. Thank you.
bien placé. Quand même. Il est bien placé quand même, là. Faut pas dire le contraire. Le crâne de fort, vendu. Et le coffre de fonde, vendu. Eh, hey, il a valu quand même cher le crâne, 4000. 2000, c'est bon. Au nom de Gloria, je réponds en attend de ceux qui possèdent la réputation. Votre réputation est écrasante, mais mes lèvres sont scellées. Quand vous serez à 50, enfin, je partagerai mes secrets. C'est ça qu'ils disent. Dans l'autre avant, ils disaient très peu de gens arrivent dans cette enceinte, encore moins. Ça, c'est quand j'étais au niveau 40. Encore moins au niveau 45. Voici mon niveau, mon badge de niveau 50 avec ma réputation. Bon, on est de retour. Là, en ce moment, vous voyez la voile d'Athéna. La voile de légende d'Athéna. Ouais. La voix de la personne d'Athéna, la voix de la légende, peu importe. Il y a eu un petit problème technique. Dans le fond, c'est moi qui ai oublié de partir l'enregistrement. Quand je pensais qu'il était parti. Ça, c'est la voix de légende qui est uniquement disponible en légende. Avec la coque de légende, la figure de peau oiseau. Ours-oiseau, qui donne un événement qui fait un certain temps. Je vais vous montrer mon habit. Que voilà, l'habit de pirate de légende. Malheureusement, comme ça, ça fait un peu dur. C'est plus beau avec ça, malheureusement. Parce que j'aime bien la ceinture de baron, puis île royale. Baron, c'est la blanche, royal, c'est celui en or. Là, lui, qu'est-ce qu'il dit maintenant? George est mon nom, et je détiens les clés qui scellent les histoires cachées. Bienvenue! Même si vous êtes légendaire, votre destin dépend encore de la volonté des mères. Vous voyez ces pierres de cette façon-là? Il y a là la porte, faut jouer une petite musique. Ben non, pas celui-là. Vous voyez, juste ici, faut que je me tiens là pour partir la bonne musique, la clé qui décèle des secrets cachés. Voilà. Voilà. C'est pas mieux de temps en temps qui se produit pas. Nous avons traversé la portail. Voici ce que ressemble la fortune d'Athéna, la salle de légende. Donc, seuls les pirates légendes ont la clé pour y rentrer. Voici. Des fantômes, ouais, des fantômes. Lui, il raconte des histoires. Les musiciens. Le tailleur. Non, le tailleur, c'est lui qui offre les vêtements de spectre. Ensuite, si on s'en va par là, nous pouvons voir un galion qui est pas mal là. Il flotte et tout. On peut y monter. Un problème. Il y a de l'eau jusque là, mais comme je l'ai dit, je cherche pas logique. Il flotte bel et bien, on va dire que c'est logique.
Puis ici, c'est là qu'on achète les voiles. J'avais pratiquement 1,2 million. J'ai acheté cette voile de légende, la coque de légende, la coque de spectre, le pavillon de légende. Mais j'ai pas assez pour ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas fini moi, safety. Parce que lui, qu'est-ce que c'est? Le seigneur de la piraterie, dont seul lui détient quelque chose de particulier. Qui est ceci? Si vous n'êtes pas pirate légende, c'est sûr certain que vous allez voir ceci de même. Inventeur de voyage plein. C'est sûr certain si vous ne l'êtes pas légendaire pirate. Ici, légende pirate. Vous pouvez voir ici que j'ai le titre. Là, c'est que mon inventaire est vraiment plein. Voilà mon inventaire qui est plein. Que je vous dis. Je vais vous montrer pour le que je suis là, le titre. À quoi qu'il ressemble le titre de légende. Qui est ceci? J'ai toutes les. J'ai pas acheté. Ouh, j'ai oublié d'acheter le titre mythique. Alors on va aller le chercher. On va revenir ici. Pour faire la finale de ma vidéo quand même. Ah, une tempête. Nous allons devoir aller voir lui. J'ai absolument tous les titres. Ah oui, une chose que j'aimerais vous dire, pour ceux qui nous acceptent et qui veulent rentrer dans cette salle, faut que vous soyez accompagné de légende, de pirate de légende. Pis si, même adverse ou non adverse, mais la différence, c'est que vous devez être accompagné dans votre équipage d'un pirate de légende. Sinon, vous ne l'avez pas. Et oui, c'est comme cela. Si vous voulez rentrer dans cette enceinte, il faut absolument être qu'il y ait quelqu'un de légende ici. Même si quelqu'un, un allié, vous ouvre, vous ne pourrez point rentrer. Parce que vous n'avez pas de légende à bord de votre navire. Je danse un peu. Parce que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis bien content d'être enfin une légende. La légende du capitaine Fleur de l'Essai. Mais vous êtes accompagné du cher capitaine Fleur de l'Essai. Mais même encore, je ne peux plus dire capitaine Fleur de l'Essai. Car je suis rendu une légende. Je suis légendaire. Capitaine Fleur de Lys. Eh oui. Oh ben avec ma chaîne secondaire légendaire MCL. Légendaire Capitaine Fleur de Lys. Eh ouais. C'est comme ça. Je suis désormais une légende. Ah pour ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon navire de Lys. Qui vous abonnez bien sûr, en gros. Mais j'ai trouvé une formule que vous avez pu constater. Qui est ma nouvelle introduction. Et on va peut-être être. Ça va peut-être être aussi ma nouvelle fin d'introduction. Ou fin de vidéo.
N'hésitez pas à rejoindre mon équipage à bord du navire de Lys, car tout le monde est bienvenu, bien sûr, sur le navire de Lys. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore laisser mon site internet dans les liens sur le banner de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, donc tout le monde est bienvenu. Voilà pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sea of Thieves, accompagné de votre cher capitaine légendaire, Fleur de Lys. Qui s'aspire aussi, ce capitaine légendaire. Voilà pour ça, je vous dis merci à tous.